Monsieur Djawed Bourkaï, bonjour. Bonjour. Alors justement, nous allons aborder la question du médicament, la facture d'importation, la production nationale et le remboursement et d'autres questions bien sûr par rapport aux questions des auditeurs. Alors malgré la couverture à hauteur de 50% des besoins en médicaments par la production nationale, la facture d'importation des produits pharmaceutiques prend toujours une tendance haussière au cours des trois premiers mois de l'année, alors qu'elle a connu une baisse en 2015. Cette hausse est de 41,67%. Est-ce qu'on peut considérer que cette hausse aujourd'hui est justifiée ou alors elle est excessive, Monsieur Bocaïba? Bien, donc concernant la dépense du médicament, en tout cas en ce qui concerne le remboursement, il y a une maîtrise de la dépense, puisque le taux de progression, le taux d'évolution de la dépense de 2015 par rapport à 2014 a été de 6,4%. En montant, c'est un peu plus de 190 milliards de dinars de remboursement de médicaments pour l'année 2015, et c'est une évolution de 6,4% par rapport à 2014. Effectivement, il y a la place des produits fabriqués localement, qui est de plus en plus importante, même en termes de remboursement, et c'est une très bonne chose, puisque nous nous acheminons vers une couverture de presque la moitié du volume de remboursement en produits fabriqués en Algérie. Et la Sécurité sociale a fait beaucoup pour la promotion de l'industrie pharmaceutique nationale. Et on peut parler de toutes les mesures qu'on a mises en œuvre. Mais justement par rapport à ces mesures, mais d'abord, est-ce que cette hausse de la facture du médicament pour les trois premiers mois de l'année est justifiée aujourd'hui? Écoutez, c'est des statistiques. Quels sont les indicateurs que vous Alors, avez? Voilà, ce que je peux vous dire, bon, c'est des statistiques qui ne relèvent pas de notre secteur, mais ce que je peux vous dire, c'est que en matière de consommation de médicaments, il y a trois facteurs qui expliquent l'accroissement naturel de la dépense. Mais ça ne nous dispense pas de mettre en œuvre des mesures de maîtrise de cette dépense. Alors les facteurs naturels, c'est les facteurs démographiques, l'accroissement de la population, la transition démographique, le vieillissement de la population. Il y a des tendances, une progression naturelle des personnes âgées, vu que l'espérance de vie à la naissance a augmenté, significativement augmenté dans notre pays. 1 million de naissances par an. 1 million de naissances par an. Il y a la transition épidémiologique, les maladies chroniques, comme dans les pays développés maintenant, on a beaucoup de maladies chroniques, donc on est passé de transition démographique, épidémiologique des maladies non transmissibles vers les maladies non transmissibles. Et il y a également l'apparition des nouveaux médicaments et coûteux, donc les nouvelles technologies de santé, nouveaux médicaments coûteux qui va falloir gérer avec des instruments pour qu'il y ait donc un juste prix à négocier avec les fournisseurs de ces médicaments et pour qu'ils soient donnés aux patients qui peuvent en tirer le bénéfice thérapeutique optimal. Donc, mais est-ce qu'on veut, on pourrait avoir la facture d'importation de médicaments globalement, annuellement, et aussi la dépense de la CNAS pour le remboursement du médicament? Oui, j'ai donné la dépense, on est à un peu plus de 190 milliards de dinars pour les deux caisses qui sont en charge du remboursement du médicament, la CNAS pour le régime des salariés, la CASNAS pour les travailleurs indépendants, le régime des non-salariés. C'est une progression de plus 6,4%, alors que la période de 2006 à 2014, le taux d'évolution était de un taux d'évolution moyen de 16,25%. Vous savez, donc entre 2015 et 2014, il y a eu quand même un taux qui a été ramené à 6,4% de taux d'évolution. C'est presque on est dans les normes internationales maintenant par rapport à cette évolution de la dépense des produits pharmaceutiques. Avec le contexte et le actuel, avec la baisse bien sûr de nos recettes en hydrocarbures, la baisse bien sûr de nos devises, est-ce qu'on peut considérer que l'évolution des dépenses de santé va nous pousser à une révision de notre système de remboursement des médicaments, lutter contre le gaspillage en rationalisant la consommation? Est-ce qu'il y a des actions qui sont engagées, puisque oui, vous avez déjà commencé à prendre certaines mesures pour, par exemple, éviter le gaspillage des bandelettes glycémiques, entre oui, autres mesures que vous avez prises? Vous savez, la politique de remboursement du médicament dans notre pays, ça fait maintenant 10 ans qu'elle est mise en œuvre. Donc il y a trois grands objectifs. Assurer toujours une accessibilité aux assurés sociaux aux médicaments essentiels, assurer un financement durable et faire en sorte de mettre des mesures qui contribuent à la promotion du générique et de l'industrie pharmaceutique nationale. Alors en matière d'instruments, enfin les leviers qui sont entre les mains de la Sécurité sociale, c'est la liste des médicaments remboursables sans actualisation, les tarifs de référence de remboursement sur les génériques, sur les produits fabriqués nationaux. Et il y a également ce qu'on appelle donc des évaluations du médicament, des évaluations pharmaco-économiques et des évaluations aussi de la valeur thérapeutique des médicaments par rapport à ce qui existe déjà,
ce qui nous permet de faire des tris, ce qui nous permet de faire des tris pour choisir les médicaments les plus utiles à intégrer sur les listes des médicaments remboursables. Donc je pense que ça a été toujours la préoccupation du pouvoir public d'assurer une accessibilité aux médicaments essentiels, mais tout en mettant des mesures de maîtrise. L'autre volet de la maîtrise de la dépense, c'est la lutte contre les abus et les fraudes. Vous avez des indicateurs pour la fraude, par exemple ? Alors, ce qui a été mis en place d'abord, et ça va se déployer bientôt, c'est de donner la possibilité aux pharmaciens de consulter l'historique de l'assuré social pour éviter les redondances de prescription et les abus de consommation. On a mis en œuvre une mesure l'année dernière qui a touché un produit pour lequel il y avait beaucoup d'abus de consommation, c'est les bandelettes réactives d'autosurveillance glycémique pour les diabétiques de type 2 stabilisés. Et là, je pense que ça a donné un bon résultat, tout en laissant la possibilité au patient d'acquérir son médicament. Et s'il en a besoin, il peut faire un contrôle une fois pour acquérir les quantités dont il en a besoin. Mais quand vous parlez de fraude et de gaspillage, est-ce que vous avez des indicateurs? Est-ce que vous êtes parti par des indicateurs pour mettre en place toutes ces mesures aujourd'hui? Oui, nous avons des bases de données de remboursement et des fichiers individualisés de consommation des médicaments remboursés. En chiffres, M. Bocquet? Non, en chiffres, globalement, ça tournerait entre 8 et 10%, hein, 8 et 10% sur certains produits pour les abus. Et, montant, ça représente combien? Donc aux alentours de peut-être sur les 190 milliards, si on prendrait, donc c'est 4 à 5 milliards, hein, 4 à 5 milliards, mais pour lesquels il y a des mesures. Alors, ce n'est pas toujours lié à un abus malveillant, hein, donc c'est parfois des prescriptions en quantité importante de la part donc, de certains praticiens qui donnent donc des quantités qui vont au-delà des besoins réels du patient. Donc, pour cela, nous sommes en train de faire un travail pour d'abord sensibiliser le prescripteur, l'assuré lui-même et bien sûr le contrôle en bout de course sur les redondances de prescription. Alors vous avez bien sûr mis en place ces dispositions par rapport l'année dernière aux bandelettes de surveillance glycémique. Est-ce que vous allez l'élargir à d'autres produits? Écoutez, sur la liste des médicaments remboursables, il y a ce qu'on appelle les conditions particulières de remboursement qui nous permettent d'avoir un contrôle sur la consommation des médicaments pour qu'ils soient donc rembourser aux patients pour l'indication dont il en a besoin. Donc c'est publié sur le journal officiel. C'est un levier, l'accord préalable, la caisse de sécurité sociale, qui est exercée à chaque fois que nécessaire. Il y a également cet historique de remboursement qui va être ouvert aux pharmaciens pour une consultation à distance, qui permettra de connaître quand un malade se présente à l'officine. À partir de quand ce système sera mis en œuvre? Progressivement, au cours de l'année 2016, je pense que ça va y avoir un déploiement pour permettre aux pharmaciens d'avoir une visibilité sur l'historique du remboursement et jouer un rôle aussi dans la lutte contre les abus et les redondances de prescription et des quantités abusives de remboursement du médicament, de demande de remboursement du médicament. Ça, c'est très important pour l'avenir. Mais rationaliser ne veut pas dire aussi remettre en cause notre système de remboursement actuel, le tiers payant notamment, M. Bocquet. Absolument pas du tout. Absolument pas. Au contraire, le tiers payant est généralisé. La carte Chifa est généralisée, il y a plus de 11 600 000 cartes qui ont été distribuées au bénéfice de plus de 38 millions de personnes, puisque c'est une carte familiale dans la plupart du temps, plus de 10 700 pharmacies conventionnées avec une large accessibilité au traitement pour les assurés sociaux et les membres de leur famille. Ça c'est très important, ce qui classe l'Algérie parmi les pays les plus avancés en matière d'accessibilité aux médicaments. Et donc vous pouvez le vérifier sur le terrain avec les officines et avec les assurés sociaux et les malades chroniques, surtout les malades chroniques qui n'ont plus aucun problème pour acquérir leur traitement, contrairement aux années 90 où il n'y avait pas le tiers payant et la personne demandait aux pharmaciens de soustraire des médicaments de l'ordonnance parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour avancer les frais. Alors le tiers payant sera aussi élargi à d'autres prestations? Éventuellement. Oui, c'est déjà mis en œuvre. Il y a le médecin traitant. Alors, d'abord, j'aimerais bien donner l'envergure de ce système tiers payant qui permet d'améliorer l'accessibilité aux soins à côté de la gratuité des soins qui existent dans les établissements publics de soins, de santé. Il faut savoir et expliquer aux auditeurs que le système tiers payant est fait avec le secteur privé de santé. Le secteur public est gratuit, complètement gratuit, placé qu'il est seul dans une contribution qui est le forfait hôpitaux chaque année. Et plus tard, ça sera la contractualisation. Et pour le secteur privé qui va contribuer à l'amélioration de l'accessibilité aux soins, la Sécurité sociale a déjà mis en œuvre ce système du tiers payant qui dispense l'avance des frais pour la chirurgie cardiaque, les actes de cardiologie, l'hémodialyse, 161 centres conventionnés, l'ONAF pour tous les dispositifs et appareillages médicaux
orthèse, prothèse, fauteuil roulant, tout ce qui est dispositifs médicaux, poches de stomie, etc. Et ça va être encore élargi, la gamme va être encore élargie pour l'oxygénothérapie à domicile, les consommables des implants cochléaires, pour les enfants, la lunetterie, pour les enfants d'âge scolaire, préscolaire. Il y a 616 opticiens qui sont conventionnés au bénéfice des enfants d'assurés sociaux à revenus limités. Il y a également transport sanitaire, plus de 256 entreprises de transport sanitaire qui sont conventionnées pour un tiers payant du transport sanitaire et le médecin pour les retraités. Ce dispositif, c'est le secret du développement de l'amélioration. Nous allons le revoir de fond en comble pour permettre aux malades chroniques d'en bénéficier de ce système tiers payant auprès des médecins, mais pas simplement les médecins, avec leur prolongement des laboratoires d'analyse médicale et des centres radiologiques, mais moyennant un protocole de soins que doit établir un médecin traitant pour connaître dans l'année comment doit être suivi le malade. Mais justement par rapport au remboursement de toutes les prestations, est-ce qu'on s'achemine aussi vers le remboursement de toutes les prestations au niveau du privé tel que c'est revendiqué aujourd'hui, puisque les travailleurs considèrent qu'ils payent leurs cotisations mensuellement, ils sont privés du système de remboursement dès qu'il y a des prestations au niveau du privé? Non, je pense que j'ai cité beaucoup de segments qui sont pris en charge des entiers payants. Mais pas toutes les prestations. J'ai dit que les perspectives c'était avec les médecins, il fallait revoir cette convention pour que les médecins adhèrent et qu'il y ait une accessibilité aux actes essentiels, aux actes médicaux essentiels et aux consultations médicales, y compris les analyses médicales et les actes de radiologie. Encore faut-il le faire dans le cadre d'une maîtrise de la dépense, parce qu'il y a aussi l'autre volet, c'est de préserver les équilibres financiers du système national de sécurité sociale, qui, rappelons-le, assure tous les risques sociaux, y compris la retraite, y compris tout ce qui touche les accidents de travail, maladies professionnelles, les revenus de remplacement. Est-ce qu'il est menacé actuellement ou pas du tout? Non, il y a un équilibre. Il y a un équilibre financier global du système. Bien que certaines branches connaissent des difficultés, mais globalement, quand on fait les comptes globaux, nous avons un équilibre qui est maintenu, mais grâce justement à des mesures de maîtrise qu'on veut expliquer aux assurés sociaux. C'est dans l'intérêt du système, de la pérennité du système, et dans l'intérêt également de l'amélioration, et on tient compte également de l'amélioration de l'accessibilité aux soins pour ce qui touche l'assurance maladie. Alors vous avez parlé des analyses médicales, la radiologie remboursée prochainement à 100%? Non, j'ai dit que ça va être intégré dans le cadre du médecin convention, des conventions avec les médecins, et quand il y a un protocole de soins qui est clair, nous indiquant comment le malade va être suivi dans l'année pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, et comme pour le médicament, et des redondances d'actes qui mettraient les équilibres financiers de la sécurité sociale en péril. Alors, M. Djamodé-Boukaïm, je voudrais revenir encore une fois sur le médicament avant d'aborder le volet retraite. Alors, on parle de l'équilibre et on parle de la nouvelle liste des médicaments non remboursables et remboursables. Sur quelle base se fait ou s'élabore cette liste aujourd'hui? Alors, il y a un comité intersectoriel avec la participation d'experts qui actualise la liste sur la base des niveaux de preuves scientifiques et de l'évaluation pharmaco-économique. Elle s'élabore en toute objectivité? En toute transparence et objectivité. Alors, il y a eu un nouvel arrêté qui a actualisé cette liste. 32 nouveaux médicaments ont été introduits, des médicaments essentiels qui traitent des maladies chroniques tels que des médicaments pour des maladies chroniques de dermatologie, de cardiovasculaire, d'ophtalmologie, etc. Remboursables. Des nouveaux médicaments qui deviennent remboursables. Parmi ces 32, il y a 23 produits fabriqués au niveau national. Par contre, il y a eu des médicaments également, 31 médicaments qui ont été déremboursés pour des raisons, pour trois catégories. Des médicaments qualifiés à faible service médical rendu pour les importer, pour lesquels il y a des médicaments similaires qui sont fabriqués en Algérie, des antiacides, des antispasmodiques et des anti-reflux gastro-œsophagiens. Il y a également des médicaments obsolètes, de vieux médicaments qui ont été retirés à l'échelle internationale et même un antibiotique qui était connu, très utilisé, mais malheureusement, la science a démontré que sa biodisponibilité était très faible quand il était pris par voie orale, c'est l'oxacilline, et qu'il ne fallait plus l'utiliser parce qu'on ne pouvait pas soigner les infections qui relevaient de cet antibiotique. Donc il a été retiré. C'est des données scientifiques probantes, vérifiables, avec des niveaux de preuves qui sont disponibles et
consultable par tous. Mais avec la promotion du générique que nous mettons en place, cette politique mise en place aujourd'hui, qui est suivie aussi par un certain nombre de pays, même développés, qui fabriquent eux-mêmes leurs propres médicaments, est-ce que ça ne crée pas une sorte de tension et de pénurie pour certains médicaments qui sont inexistants? On parle de médicaments qui sont indisponibles sur le marché. Non, écoutez, pour la disponibilité du marché, je pense qu'il y a un travail qui est fait par le ministère de la Santé, qui connaît les disponibilités et les capacités de couverture de certains producteurs. C'est pourquoi il y a eu une liste interdite à l'importation. Donc ça, c'est un travail qui est fait dans un autre secteur, sur des bases de données aussi probantes. Maintenant, pour les perspectives en matière de remboursement du médicament, je voudrais annoncer trois choses. Pour la filière pharmaceutique, il y a un dossier qui est ouvert, les marges. Il y a un comité interministériel piloté par le ministère du Commerce qui va ouvrir ce dossier. Monsieur Ben Ahmed l'avait revendiqué sur nos autres il y a quelques jours. Alors là, il y a un dossier. La révision des marges. Il y a une étude approfondie qui va être lancée pour actualiser ces marges et arriver aussi à la promotion du produit national et améliorer la rentabilité sans qu'il y ait d'impact sur les institutions telles que la sécurité sociale, d'impact négatif. Et également, il y a le code Data Matrix qui va être lancé pour le médicament et qui va assurer une traçabilité très fiable pour le médicament. Et ça va nous permettre de lutter contre les abus, les fraudes, la contrefaçon. Ça va nous permettre d'avoir des systèmes d'information. Mais est-ce que vous êtes conscient qu'il y a de la contrefaçon dans le médicament? Le risque existe comme dans tous les pays du monde pour la contrefaçon. Même les grands pays ont le problème. L'Inde, qui est le plus grand producteur de générique, a le problème de la contrefaçon du médicament. Donc ce code Data Matrix va nous permettre, et permettre à toutes les institutions de contrôler, d'avoir des bases de données fiables. On peut arriver jusqu'au numéro de série de la boîte et connaître quel est le malade qui a consommé telle boîte de tel lot. Vous voyez, même au niveau de la sécurité sociale, on le saura à travers ce code. Et il y a également des mécanismes innovants qui vont être mis en place pour traiter la problématique des médicaments très coûteux dans des segments où le risque médical n'est pas couvert. C'est ce qu'on appelle les contrats de performance avec les laboratoires. C'est à chaque fois qu'il y a un médicament très coûteux, on peut imaginer un dispositif juridique qui permettra aux caisses de signer des contrats de performance pour que à chaque fois qu'il y ait échec thérapeutique, qu'on mette ces malades sous traitement coûteux, à chaque fois qu'il y a échec thérapeutique, le laboratoire doit s'engager à rembourser le montant à la sécurité sociale. On achète l'efficacité, mais on n'achète plus le médicament. On achète l'efficacité de ce médicament. C'est un contrat qui peut être signé pour régler la problématique du remboursement des médicaments très coûteux. Si on met beaucoup d'argent, il faut qu'on ait un bénéfice thérapeutique. Mais qu'est-ce qui est fait pour promouvoir aujourd'hui la production nationale en matière de médicaments? Alors, Est-ce qu'il y a des avantages? Oui, absolument. Très rapidement, il y a eu des majorations. Dans le cadre de la convention avec les pharmaciens, il y a eu des majorations qui ont été mises en place. 20% pour le pharmacien, au-delà de ses marges, il y a 20% qui sont accordés sur le prix du médicament, qui sont accordés par la sécurité sociale aux pharmaciens qui dispensent le médicament fabriqué en Algérie. C'est 7,5 milliards de dinars qui ont été annuellement qui sont donc versés en majoration pour l'incitation à la dispensation du médicament fabriqué en Algérie. Alors la prise en charge des malades à l'étranger? On en a parlé, il y a une commission médicale présidée par... Il reste encore des prises en charge? Écoutez, il y a une commission médicale composée de professeurs en médecine qui décide de l'opportunité. S'il y a un espoir thérapeutique ou une technique particulière pointue qui pourrait apporter quelque chose par rapport à ce qui existe en Algérie, je pense que c'est une commission qui a donc la charge de décider de l'opportunité d'un transfert. Alors, il y a des auditeurs qui vous posent cette question, ils vous disent sur quelle base se fait ce choix justement. Certains considèrent que ça en profite à certains et pas à d'autres. Je viens de répondre, il y a un organe. Il dit le terme, ça profite aux pistonnés. Écoutez, je ne peux pas entrer dans ces considérations, il y a une commission, elle est souveraine. Il y a des professeurs de médecine donc qui consultent, qui voient le dossier, qui donnent un avis et sur la base de cet avis, la CNAS donc décide du transfert pour soins à l'étranger. Alors pour les médicaments non remboursables, un auditeur vous dit qu'il y avait par le passé une bandelette verte qui permettait aux malades, en se présentant à l'officine, de savoir que c'était un médicament non remboursable. Il vous dit qu'elle a quasiment disparu Non, pas du tout. Je vous invite à vous rapprocher des officines. Les vignettes à bande verte existent toujours pour les médicaments remboursables. Et des vignettes à bande rouge pour les médicaments non remboursables. Alors, autre question qui relève de votre chapitre, c'est le système de retraite. La revalorisation annuelle de la retraite pour cette année serait minime. La proposition qui a été faite et soumise au gouvernement serait de 2,5%. Certains considèrent que c'est quasiment
obsolète. Quel est votre commentaire? Et est-ce que écoutez, c'est vrai, déjà, monsieur Bolkaï, est-ce que vous confirmez écoutez, cette information écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'en matière de revalorisation pour les 10 dernières années, les taux étaient très appréciables. Il y a eu beaucoup de rattrapages qui ont été donc comblés. Donc par rapport aux revalorisations exceptionnelles, revalorisations annuelles, les taux sont très appréciables, nettement au-dessus de ce qui se fait dans le monde entier. Maintenant, quand il y a des équilibres financiers à assurer pour un système dans l'intérêt général, il est normal que la revalorisation ne soit pas au même niveau que d'autres années. La caisse de retraite, vu ses équilibres financiers, décide d'un taux. C'est le conseil d'administration qui est tripartite, qui demande un taux et qui propose un taux à monsieur le ministre du Travail. Mais est-ce qu'on ils peut sont considérer... plus, ils sont plus à même de décider, donc c'est les plus qualifiés pour dire que pour cette année, c'est tel ou tel taux au regard des équilibres financiers. L'intérêt général prime, l'intérêt d'une pérennité d'un système de retraite prime, parce que c'est la continuité d'une prestation qui est en jeu, et donc s'il y a des propositions, elles émanent d'un conseil d'administration en composant tripartite. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, que la caisse de retraite connaît des difficultés financières? Pourtant, son directeur général a écarté totalement cette éventualité d'être en crise. Écoutez, je vous ai dit, les équilibres financiers d'un système de retraite par répartition, comme dans le monde entier, suite aux évolutions démographiques, socio-économiques et surtout démographiques, peut connaître des difficultés. Mais nous avons la chance en Algérie d'avoir un système globalement en équilibre. Il y a des solidarités intercaisses qui sont mises en œuvre entre la CNAS et la CNR, ce qui permet d'avoir la continuité. En tout cas, l'État a toujours affirmé, le système de retraite sera toujours pris en charge, c'est-à-dire on veillera toujours à ce qu'il y ait un équilibre qui sera garanti, les retraites seront toujours réglées et payées. Mais ça ne nous dispense pas de réfléchir à adapter un système comme ça se fait dans le monde entier. Vous parlez d'équilibre financier de la CNR, la Caisse nationale de retraite, et pourtant la Caisse nationale de retraite connaît un déficit de plus de 317 milliards de dinars et elle a été refinancée par la CNAS. Quel est votre commentaire? Puisque vous parlez de... Mais je viens de vous dire, celui-là, je vous ai dit que le système globalement est en équilibre, il y a une solidarité intercaisse qui est intervenue effectivement pour... Vous confirmez le montant? Non, le montant, je ne peux pas le dire, ben, je n'ai pas ce chiffre, moi. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la solidarité intercaisse a bien fonctionné et que les pouvoirs publics veilleront toujours à ce que le système de retraite restera toujours debout. Il y aura toujours le règlement des prestations qui sont dues aux retraités. Mais c'est le fait qu'elle soit en difficulté, mais c'est la raison pour laquelle la proposition pour cette année, pour la revalorisation, est de 2,5%. Je le ressouligne encore une fois, ça émane, toute proposition émane de le conseil d'administration de la caisse qui décide au regard des équilibres et des capacités financières de cette caisse. Alors la retraite anticipée, on l'oublie, c'est fini? Bon, elle n'existe plus? Non, elle est toujours en vigueur, mais ça ne nous dispense pas de réfléchir à une adaptation de notre système. C'est-à-dire? C'est pas tabou de réfléchir à une adaptation de notre système au regard des évolutions démographiques. Mais c'est-à-dire, monsieur Bocquet, vous parlez d'adaptation, qu'est-ce que vous entendez par là? Clairement. Écoutez, il y a dans tous les systèmes de retraite, on regarde qu'est-ce qui peut garantir tout en maintenant les droits des retraités, les droits des travailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut introduire comme mesure qui permettrait d'avoir une garantie d'un équilibre financier sur des études de projection du système. Il y a une science particulière qui s'appelle l'actuariat qui nous dit comment on va s'orienter le système dans 10, 15, 20 ans ou 30 ans en prenant en charge les données démographiques, les évolutions des données démographiques et socio-économiques. Cette étude est en cours actuellement? Bien sûr, ils sont toujours, toutes les caisses mènent ce type d'études et ils mettent ces résultats à la disposition et des éléments d'aide à la décision pour garantir la pérennité d'un système qui est très important par répartition. Et à côté, il y a eu aussi des mesures importantes. La mise en place d'un fonds national de réserve des retraites, où il y a 3% de la quote-part de la fiscalité pétrolière, qui est alimentée par 3%, qui est pour les générations futures. Si demain il y a un aléa, c'est un fonds de lissage qui permet de passer un cap difficile.
Alors, une question d'un auditeur, il vous dit les cotisations des salariés se font à la source. Par contre, nous sommes limités dans le remboursement. Une limite de 3000 dinars par ordonnance, une limite de 2 ordonnances tous les 3 mois et le taux variable de remboursement et les problèmes, bien sûr, ajoutés à cela, techniques et de contrôle. Quel est votre commentaire justement Je pense qu'il y a un peu de confusion de beaucoup de choses. Les malades chroniques ne sont pas concernés du tout par ce type de mesure puisque le système du tiers payant est illimité. Pour les malades non chroniques, maladie ordinaire, et il y a un droit au système du tiers payant à raison de 2 ordonnances 3000 dinars par personne et par famille, donc chaque famille, donc il y a par personne 2 ordonnances par trimestre à 3000 dinars. Au-delà de ce montant, le système de remboursement reste en vigueur. On peut demander le remboursement au-delà. Ailleurs, il faut savoir que les systèmes de tiers payant ne sont pas généralisés, même dans les pays les plus avancés, alors que chez nous, il est généralisé. Alors, nous avons actuellement, à travers le territoire national, près de 3 millions de retraités. Une question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'il y a possibilité de rachat des années de non-cotisation, quand par exemple, les mises en disponibilité pour certains travailleurs? Est-ce qu'ils peuvent les racheter? Écoutez, il y a deux règles de rachat. Pour le régime des salariés, c'est la loi 93-12. On peut racheter à l'âge de 60 ans. Donc, il y a une règle de rachat à l'âge de 60 ans. S'il nous manque jusqu'à 5 années, on peut faire un rachat jusqu'à 5 années d'année de travail, d'année d'assurance. Pour les non-salariés, le nouveau décret de 2015 a instauré la même règle pour les professions indépendantes. Donc, c'est des règles qui existent avec certaines conditions qui permettent de racheter jusqu'à 5 années d'assurance à comptabiliser dans la carrière. Alors, la retraite plus n'existe toujours pas de nos jours comme annoncé à un certain moment. Alors, c'est une question d'un autre. La loi, ça c'est la loi sur les mutuelles sociales qui a permis aux mutuelles de créer des retraites complémentaires. Elle est entrée pleinement en vigueur en janvier 2016. Il y a des mutuelles qui ont inscrit cette branche de retraite complémentaire dans leur statut. Donc ça va venir. Ça va venir de manière progressive puisque les mutuelles commencent à s'approprier cette branche et l'inscrire dans leur statut. Alors, le paiement des mensualités CNAS, pour quand? À quand le paiement en ligne? C'est un privé qui voudrait payer ses cotisations? Il y a maintenant la télédéclaration qui peut se faire. Bon, il y a des difficultés, certes. Mais ça va s'améliorer. Je pense que la CNAS met le paquet pour améliorer la télédéclaration des DAS, donc les DAS, les salaires et les salariés. Le télépaiement, nous dépendons d'autres institutions, vous le savez, pour le télépaiement et le paiement en ligne, et paiement peut-être même un jour par mobile. Hein. Donc je ne sais pas, mais ça c'est une... Mais ça marche bien pour d'autres services, ça pourrait marcher aussi bien pour la CNAS, la CASNOS et la oui, retraite. Oui, oui, le télépaiement, nous dépendons d'autres... aujourd'hui fournit de bonnes prestations. Le télépaiement, ce n'est pas encore inscrit, mais ça... Donc c'est vous qui êtes en retard. Non, nous dépendons d'autres institutions. Nous sommes en train... Les caisses sont en train d'explorer l'intégration de cette formule de télépaiement des cotisations. Ça ne peut qu'être intéressant pour les caisses aussi. Alors, le transport sanitaire, il est facturé pour les entreprises à 12 dinars sur la base du SNMG des années 80 avec l'augmentation de l'essence. Une facture d'un malade après 13 séances par mois arrive à 2500 dinars. Est-ce que vous allez réactualiser cette tarification du transport sanitaire? Oui, non, ce n'est pas cette règle qui est appliquée. Décret. C'est des gens qui vous posent la question. Oui, c'est un décret qui a fixé les tarifs de transport sanité, effectivement, je pense que c'est un initié qui a posé la question. C'est vrai, il y a que le dossier est ouvert pour revoir un peu le décret de 2007 et voir dans quelle mesure on peut réactualiser, mais en tenant compte également toujours des équilibres financiers. Les équilibres financiers restent toujours le domaine de définition de toute action menée par la sécurité sociale parce qu'il y va de la pérennité d'un système. Alors, c'est pour quand la prise en charge réelle des examens de biologie et d'imagerie médicale par la Sécurité sociale? Nous avons dit que les pouvoirs publics ont privilégié le développement des conventions avec les médecins parce que ça permet une maîtrise, ça permet une qualité des soins, ça permet un meilleur suivi. C'est ce dispositif qui va être développé. Alors, une autre question, je sais que vous allez rebondir dessus. Comment se fait-il que dans les villes entières qui travaillent, ceux qui travaillent dans l'informel par exemple, ne payent pas d'impôts, puisent payer la CNAS? Où est le contrôle? Puisque vous avez mis aujourd'hui un système l'intégration de l'informel vers le formel. Voilà. Merci de m'avoir donné l'occasion de dire un mot sur la loi de finances complémentaire 2015. On était là au tout début de son application. Elle a donné de très très bons résultats pour la CNAS et la CASNOS. Mes collègues l'ont expliqué, ils l'ont mené avec brio sur le terrain, que ce soit les directeurs généraux de la CNAS, la CASNOS, etc. Donc il y a eu des résultats extrêmement intéressants. Beaucoup d'employeurs ont régularisé leur situation, plus de 113 000. Beaucoup de paiements de cotisations, beaucoup de travailleurs
qui ont été déclarées dans ce cadre, et le système de dispositif d'affiliation volontaire ouvert au secteur informel, c'est dans le cadre d'un processus de formalisation des situations, c'est de pousser les gens d'aller vers le formel, en commençant par avoir une protection sociale, puis en les aidant à entrer dans le secteur formel. Et je pense que nous sommes des pays innovateurs. Combien ont rejoint ce système? Alors, ils montent en charge parce qu'ils n'étaient pas connus, il y avait des appréhensions. Nous sommes à plus de 13 000 personnes qui sont entrées dans ce système. Alors, une dernière question par rapport justement à la rationalisation de la consommation. Une auditrice qui vous dit, on ne nous délivre qu'une seule boîte de bandelettes glycémiques. Sans exception, on se retrouve dans l'obligation d'acheter au moins deux boîtes en plus. Écoutez, là est-ce aussi, que ce n'est pas une contrainte non, pas du pour tout. Les malades? Alors, je vais encore expliquer la mesure. Les malades insulinodépendants ne sont pas concernés. Seuls les malades de type 2 qui ne consomment pas d'insuline et qui sont bien stabilisés. Ils ont une boîte de facto en système de tiers payant. Et si jamais il y a un besoin médical d'avoir une quantité supplémentaire, un seul contrôle suffit. Un seul contrôle pour toute l'année. C'est une mesure qui a été mise en place dans les pays les plus riches. Vous pouvez le consulter. L'Internet, maintenant, vous permet de consulter toutes les données. Mais si on se réfère aux déclarations du directeur de la CNAS et de la CASNOS, et également celui de la CNR, scientifiquement, c'est une mesure de bon sens. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il faut savoir que le seul produit bandelette coûter près de 20 milliards de dinars par an aux caisses de sécurité sociale. C'est énorme, il fallait faire une rationalisation. Il y avait des personnes, alors vous pouvez poser la question aux pharmaciens si vous invitez un jour des représentants de pharmaciens, il y avait tellement d'abus que les gens rendaient des boîtes périmées pour dire, voyez comment les distribuer en urgence, parce qu'ils prenaient trop de quantité de ces bandelettes pour certains. Combien donc, vous en avez économisé sur les bandelettes? Alors il y a eu une réduction de plus de 30% en quantité. Un montant sur vous avez donné le montant de consommation, 20 milliards. Alors sur les économies ça va jusqu'à 5-6 milliards d'économies. Monsieur Djawad Boulkaï, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, même si on n'a pas pu poser toutes les questions des auditeurs. Merci beaucoup. Et merci aux auditeurs. Merci.